Cette œuvre m'a paru intéressante à plusieurs titres. D'une part parce que c'est intrinsèquement une œuvre d'une qualité exceptionnelle, et puis d'autre part parce qu'elle est également révélatrice de l'intérêt et même de la force du pop européen par rapport au pop américain. Pendant trop longtemps, l'opinion européenne a voulu croire que le pop était un phénomène essentiellement ou peut-être même exclusivement nord-américain, alors que l'esthétique pop, la philosophie pop, la pensée pop avait envahi le monde tout entier et qu'elle avait connu en Europe un succès tout particulier. Beaucoup d'artistes, en effet, se sont appuyés sur cette esthétique nouvelle pour manifester que l'image, que la représentation, que la figure n'était pas un acte passéiste, que ça ne relevait d'aucun académisme, mais qu'il y avait une force critique, une violence novatrice dans l'utilisation de l'image, aussi finalement aussi incontestable que le recours à certains moments de l'histoire de l'art à l'abstraction, donc à cette alternative apparente ou cette alternative unique apparente à la représentation au sens classique du terme. Et donc ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition, c'est justement un fragment de cette réalité européenne en s'intéressant d'une part à des artistes français, d'autre part à une artiste belge majeure, à Evelyne Axel. Il m'aurait semblé paradoxal, ici à la Patinoire Royale, de parler de la scène française, de la scène parisienne d'ailleurs, plus particulièrement, sans évoquer finalement l'écho, le répondant, l'effet d'initiative de la scène belge à travers la personne et la personnalité d'Evelyne Axel. Donc c'est dans ce balancement entre Bruxelles et Paris que se situe le propos de cette exposition, et naturellement l'exposition, elle est révélatrice de la qualité exceptionnelle d'Evelyne Axel, qualité exceptionnelle dans la force et l'intensité du dessin, dans l'usage de la couleur, et surtout dans le recours à des matériaux nouveaux. C'était l'une de ses obsessions, en l'occurrence le recours à l'utilisation du plastique, ce grand matériau des temps modernes. Donc elle marque là une audace tout à fait incroyable. J'ai au départ connu Evelyne Axel par la passion d'un grand collectionneur français, par la passion de François Pinault. Je l'ai également connu parce que j'ai été président du Centre Pompidou il y a plus de 10 ans de cela, et déjà je devinais chez certains conservateurs un intérêt très très fort pour l'œuvre de cette grande artiste. Donc c'est progressivement, mais finalement assez tardivement par rapport à la date de la disparition d'Evelyne Axel, que son œuvre m'a été révélée. Mais d'emblée, j'ai éprouvé pour cette œuvre forte, singulière, une passion très 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 forte qui ne s'est jamais démentie. Bon, il y a beaucoup d'audace chez Evelyne Axel. Il y a cette audace, en effet, du recours à des matériaux nouveaux, souvent d'ailleurs de façon très expérimentale, de façon quasi bricolée, avec un risque d'ailleurs technique énorme, sans jamais savoir si ça réussira, si ça tiendra, si ça résistera au temps, par exemple. Il y a également une audace incroyable dans la palette, dans l'usage des couleurs. Il y a une audace incroyable dans le recours à de l'imagerie prélevée, imagerie photographique, imagerie de bande dessinée. Et il y a naturellement également une audace exceptionnelle dans l'affirmation de la liberté d'aimer. C'est une œuvre d'une très très grande sensualité, et même plus que plus grande sensualité, c'est une œuvre érotique. Tant elle fait sans cesse allusion, avec pudeur certes, mais de façon extrêmement directe, finalement, à l'acte d'aimer, à la passion d'aimer, au bonheur d'aimer. C'est une œuvre qui, finalement, est également un hymne à la vie, un hymne à la passion d'aimer. Mais je crois qu'Evelyne Axel est l'une de ces conquérantes du domaine des arts par les femmes. On sait que, finalement, cette conquête a été historiquement extrêmement difficile, extrêmement lente. Certaines artistes ont beaucoup souffert de leurs conditions féminines et souvent n'ont pas été reconnues à cause de, finalement, leurs conditions de femmes. Je pense à une artiste comme Berthe Morisot, qui, à côté d'autres artistes de sa génération, a toujours fait, aux yeux de l'opinion, en tout cas pas de figure, alors qu'il s'agissait d'une artiste éminente. Et Evelyne Axel, vraiment, est également le témoin
de cette autre lutte, de cette autre grande lutte, la lutte des femmes pour leur indépendance, la lutte des femmes pour leur dignité, la lutte des femmes pour leur autonomie et la lutte des femmes pour le droit de faire tout ce que les hommes font, y compris de l'art, y compris de la peinture.